Salut! Moi, c'est Marcelo! C'était du gâteau. T'as autre chose pour moi? Eh bien, laisse-moi réfléchir. Raïm, tu sais que tes idées de génie sont dangereuses. Omar m'a raconté ton plan pour le nid. Des charges explosives, sans rire. Bah go! Des explosifs? Oh, j'ai jamais dit ça. Tu sais pas mentir, même pour sauver ta peau. Je sais ce que je fais. Ah ouais? Tu te crois immortel? T'es pas ma mère. Non, en effet. Notre mère est morte. C'est la merde. Alors il faudrait être un peu plus sympa avec moi. Je suis la seule famille qui te reste. Surtout depuis qu'Amir n'est plus là. C'est toi, Jade. C'est moi. Je voulais te remercier de ce que t'as fait pour moi. Et te dire que je suis navré pour Amir. Je vous dois la vie à tous les deux. La musique me fait rire. Oui, c'est vrai. Tu veux me rendre la politesse? Fais en sorte que mon crétin de frère reste en vie. Ouais, ouais. Ces explosifs, ça marche moyen en Chine actuellement. Enfin, si, c'est efficace, hein, ça explose bien. Hein. Genre sur des zones portuaires, mais... bon, c'est un peu dangereux, quoi. Bon. Ça t'a suffi? Tu peux parler à Brecon, maintenant? Change d'abord de fringue. Je t'en ai mis des neuves dans ta chambre. Quoi, je suis à poil? 194. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont, mes fringues? Il va te falloir quelque chose de plus adapté à la tâche que veut te confier Brecon. Appelle-moi quand tu seras changé. T'aimes pas ma chemise? Ou mon petit polo vert? Mes petites chaussures, mon petit jean? Qu'est-ce que... Non. Bah je... Non, je comprends pas. Moi je me trouve beaucoup plus présentable que toi. Non, vraiment... Putain. Mais quel enculé. Le mec il veut que je me change dans mes... Oh. T'es pas ma mère. Je vais reprendre les paroles d'un petit homme. T'es pas ma mère. Eh oui. Qu'est-ce que tu veux? Putain, on la voit partout, c'est une grognasse. Bon alors, moi je vais me changer. On fera du vélo plus tard, ça va être bien. Et bonjour, et je voudrais m'échanger. J'ai perdu, c'est là. Oh, voici votre plan, que vous pouviez y changer de tenue et y stocker des objets. Vous accédez à de nouvelles tenues à mesure que votre niveau de survivant augmente. En sachant que les différentes tenues ne changent rien. C'est de la merde, si ce n'est que votre apparence, et donc du coup ça n'a aucun intérêt. Et le fait de stocker des objets aussi, c'est pas très intéressant. Ah par contre c'est cool. Ah non c'est mon sac à dos, ah bah non bah c'est de la merde. Non j'ai cru que dans le stockage il y avait des trucs, mais en fait pas du tout, ça c'est ma besace. C'est ma petite besace. Ok, je suis prêt. Est-ce que je peux trouver Brecon? Pas si vite mon vieux. Oh, si tu veux gagner ta croûte, on doit d'abord s'assurer que tu sais te débrouiller. Alors fonce à la salle de sport. Ouais. Allez sur le toit. Go. Ouais, l'autre il faisait une petite blague, mais j'en ai rien à carrer. C'était de la merde. Ah merde, du coup. Ah, j'ai oublié quelle blague il fait. Ah, c'est dommage. Ah bah vas-y, essaye de me tuer, hein, y a pas de soucis. Bah, en fait, les trucs pour le parcours, la mire en Z, c'est des flèches rouges. Enfin, c'est même pas des flèches, c'est des éléments de décor rouges. Là, t'as mis des petites flèches jaunes. T'essayes d'innover, c'est ça? Alors, base du parcours. Le bouton saut, espace, est vital pour se déplacer verticalement. Bravo. Alors ça, c'est fou. Ça, c'est vraiment fou. Ça, c'est une information très, très intéressante. Intéressante, ouais. J'invente des mots. Maintenez le bouton saut, espace, pour saisir un rebord. Vous regardez, ok d'accord, c'est cool. Oui bon, je veux dire, c'est assez instinctif. Hein. On va s'en sortir, hein. Y a pas de soucis. Y a pas les soucis. Le pied de grue. Ouais, t'es vraiment un rigolo, toi. Vraiment, je crois que t'es le personnage que je déteste le plus, déjà. Si ce n'est mon personnage à moi. C'est mon personnage à moi. Et je crois que je l'aime pas. Oui, je m'en fous, je cheat. Ouais. Oh putain, je vais me casser la gueule. Ah non, c'est bon, je vais bien. Oh, Titan. Ah non, c'est un boxeur. Bonjour. Bienvenue dans la salle de sport. Merci. Tu dois d'abord apprendre à courir. Alors, faut mettre un pied devant l'autre, je crois. Apprendre à courir. Fais seulement ce que je te dis, d'accord? Bon. Maintenant, saute tout en bas. Ça, c'est pas courir. Ça, c'est chuter. T'es cinglé. Je vais me tuer. Fais pas ta chochotte. Franchement, t'es pas sérieux, là? Si, regarde. Ah,
jambes! Que merde! Bouge pas! Je vais chercher de l'aide! Mais non! Je te fais juste marcher! Espèce d'enfoiré! Bah quoi? T'aimes pas les blagues? Allez! Ramène tes fesses! Putain de merde! On va me dire, c'est pas plus con que les bottes de foin dans Assassin's Creed. Après, ça reste toujours infaisable, mais bon, c'est marrant. Non, oh, je veux pas sauter. Oh, j'ai trop peur. Je vais salir mon petit t-shirt jaune. Ah, il est tout neuf, on vient de me l'offrir. Allez, en reculant. Oh, j'en fous. J'ai même pas peur. Oh la vache. Ça ouais. Déboîte, hein. Attends un peu pour prendre ton pied. J'ai mieux. Dehors, pour survivre, tu dois exploiter le terrain. La plupart des mordeurs savent pas grimper. Donc plus le terrain est compliqué, mieux c'est pour toi. Des mordeurs. Je t'ai préparé quelques situations type. Voyons comment tu t'en sors. Des mordeurs. Non mais moi je pense... Putain, il veut vite le con. Des mordeurs. Sans déconner, je crois que c'est la pire traduction que j'ai. Ah, c'est X pour... Ok, attends. Je savais pas. Ah non, mais on peut pas glisser. Ah, mais ça doit être une compétence. Et la compétence, je l'ai pas encore. Ouais, c'est ça. Je suis flèche. Pas les couilles. Hein? Ouais. Ah, mais attends, t'es. C'est où? Ah, mais c'est là! Je suis vraiment une merde. Je t'entends pas, petite merde. Ouh, ça j'aime pas. C'est bon, je vais bien. Je suis trop fort. J'arrive. C'est sans filet, ouais. C'est sans ficello non plus. Suspension et planche. Si t'y arrives pas, tu ne survivras pas 10 minutes à l'extérieur. Oh. Bah j'aurais qu'à rester 9 minutes à l'extérieur. Ah ah ah, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis un rigolo moi aussi, t'as vu? J'ai des bonnes blagues. J'ai des blagues de son niveau, quoi. Bon, faut descendre. C'est l'heure du vrai test. Retourne à la grue. Ok. Sers-toi de tout ce que tu croiseras pendant ta course. De tout ce que je croiserai? Et si je croise une mallette pleine de billets? Non, ça, je crois que c'est pas prévu par le jeu. Oui. Super Timor est un coureur plus fort. C'est vachement haut quand même, hein. Moi, je ferais pas ça dans la vraie vie. Oh, si, ça passe. Je pensais pas. Ça ira. Alors, c'est pas la première fois que tu fais ça. Ouais. Tu avais déjà pratiqué? Ouais. Pas vraiment. Mes derniers temps, les stades remontent au lycée. Dans ce cas, t'es un vrai prodige. Bah oui. J'avais jamais vu ça. Enfin non. Parce que pour tout te dire, moi j'ai déjà terminé le jeu, hein, donc tu te calmes. Ouais, du coup j'ai dit on faisait un playthrough coopératif, on fera pas un walkthrough, on vous montrera pas comment faire le jeu à 100%. J'ai des petits vertiges. Réponds-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un zombie. Il s'est passé. Moi je suis un mordeur, un truc. Pardon. Raim, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et merde, je suis sûr que t'as eu ta première crise. Reviens jusqu'ici. Ah, j'ai mangé une cacahuète. Je savais, j'étais allergique. Mais j'ai pas pu résister, cette petite cacahuète salée. Ah, elle était là, elle était posée sur la table, elle me donnait envie, et du coup je l'ai mangée. Mais bah, je suis allergique aux cacahuètes, j'ai pas pu résister, quoi. Ah oui, l'instinct. Ouais, je suis un fou. Alors, qu'est-ce qu'on se marre? Ah, vous me donnez un bouton et moi je rigole tout seul. Bon, allez, go. C'est où? C'est là? Abricot. Coup de boule, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, go. Ah merde, faut lui parler. C'était quoi ce bordel? Je suis en train de basculer? Non, je pense pas. Ce type de crise est assez fréquente quand on est infecté. Tu devrais aller voir le docteur Zéré. Il t'examinera et te fera sûrement une injection d'antizine. Avant d'aller voir Zéré, va parler à l'intendant. Zéré. Il t'équipera pour que tu puisses sortir sans te faire dévorer la tête. Je vais voir le docteur Zéré. Alors, t'as un doute à me dire? Attends quoi? Bouge tes fesses! Je bouge mes fesses! Attends, je te fais un wiggle. Wiggle. Alors, j'ai bougé mon cul? Ah, je peux plus lui parler. Je crois que ça lui a beaucoup trop plu, il sait plus quoi dire. Il est complètement déstabilisé. Bonjour! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Je crois que ça fait ploup de Steam. Ah, ça le refait! Mon personnage devient fou, il entend des bruits. Non, y'a personne. Y'a rien à fouiller. Y'a pas de quête à prendre. Ah non, mais je crois qu'il faut atteindre la zone coopérative. Putain, c'est vrai. Ah, j'oublie tout le temps. Vite, on fonce, allez. On s'en bat les couilles. Ouais, comme
comme ça. Si ça fait mal, c'est que ça marche. Allez, si ça fait mal, c'est que ça marche, mais tête de con, là. Non, faut descendre. Faut descendre. On va aller descendre des zombies, mais là, faut descendre d'étage. Pas un souci. Je crois que c'est là-bas. Si, mais je veux sortir d'ici, tu permets. Et oh, j'aimerais bien jouer en coopératif, là, ça commence à durer pour rien du tout. Effectivement, je crois que ça va faire deux vidéos. Hein. Je crois qu'on va faire bien deux vidéos, ou alors une très grosse vidéo. Mais je sais pas depuis combien de temps je filme, c'est très embêtant ça. Donc une ou deux vidéos en solo. Un vrai boulot, et personne ne se doute de ma véritable identité. Pour l'instant, tout se passe bien. Une fois que le docteur Zeray m'aura aidé à me débarrasser de ces crises, il ira encore mieux. Il a fini de communiquer avec le joueur. Il a des instants Deadpool, hein, c'est-à-dire qu'il parle comme s'il y avait quelqu'un qui l'écoutait. Comme s'il savait qu'il était dans un jeu vidéo. Ah, c'est très étrange. Non, sans déconner, c'est très long là le chargement. Tu m'embêtes. Je suis embêté. À défaut d'être endetté, contrairement à mon pays. Mon pays, je vais voir le docteur Zeray. Zeré. Non, c'est pas toi, Zeré, toi tu me fais peur. Intendant, ah oui, il fallait que je parle. C'est toi le nouvel éclaireur. Oui. Raïm m'a parlé de toi par radio. C'est moi, je m'appelle Crane. Tant que tu n'auras pas survécu quelques jours, inutile que je me casse la tête à retenir ton nom. Voilà pour toi. Quel enculé. Au fait, dans la tour, on raconte que t'es qu'un profiteur de plus. Juste bon à attendre ta ration de nourriture ou d'antisine. Je m'en balance. Autrement dit, les gens ne t'apprécient pas trop. Balance. Mais ne leur en veux pas. On devient vite paranoïaque quand on est isolé. Et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur, la paranoïa, on connaît. Les seuls sur qui on peut compter pour s'en sortir dans cette foutue ville, c'est nous-mêmes. Mais si tu m'apportes du contenu des livraisons, tu verras qu'ils changeront vite de refrain. Ce genre de truc, ça change tout, crois-moi. Merci, je m'en souviendrai. Autre chose, j'ai pas trop le temps, là. Et si tu veux te faire apprécier... Essaie de filer un coup de main aux gens. Rends leur service et ils t'auront à la bonne. Oui, bah deux secondes. Tu pourrais même te trouver une petite femme. Non mais... Pour te tenir chaud. Con quoi, je suis en train de me transformer en zombie, j'ai rien à foutre ici, c'est tous des cons profiteurs. Et c'est moi qui traite de profiteur. Va te faire foutre au bout d'un moment. Alors stock, objet en stock, arme. Ah ça c'est ce qui est en stock. Hop, je prends tout. Je prends tout, j'en ai rien à foutre. De toute manière, c'est réinitialisé tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, vous pouvez aller voir l'intendant. Et il y aura de nouveau quelques objets pour vous. Alors ça reste des objets très basiques, des objets nuls à chier, hein, faut bien le dire. Mais non, mais c'est pas ça que je veux faire. Qu'est-ce que je veux faire? Voilà. Inventaire. Donc on va voir les choses que tu peux équiper. Ah bah non, mais j'ai toutes les armes d'équiper. Alors comment on fait? Tab. Oui, c'est ça. Alors, c'est tout... Oula, j'ai sifflé, désolé. C'est tout... C'est de la merde. Globalement, c'est de la merde. Bah on va garder nos tuyaux de plomb, je crois que ça reste le plus efficace. Avant de faire les quêtes secondaires, hein, on va essayer de rejoindre le mode coop, ça pourrait être sympa. Hey, bonjour. Oui, je sors. Quoi, je suis pas bien habillé, c'est ça? Je suis pas assez habillé, peut-être? Hé, hey, le nouveau, sois prudent. On a déjà perdu trop de monde. Et fais pas genre c'était fermé, après tout le long du jeu c'est ouvert. Il se fout de ma gueule, le machin, là. Alors, il faut aller où pour aller voir le docteur Zeray? Zeray est installé dans un smirmorque carré sur un terrain de jeu. En sortant de la tour, prends à gauche et fonce droit au sud. Tu peux pas le rater. Docteur Zeray. Je m'appelle Crane. Allez, Crane, avance. C'est pas le moment de jouer aux touristes. Ouais, je... deux secondes. C'est ce qui attire ces enfoirés. Pas trop de bruit, je fais ce que je veux, moi. Mais merde, je peux pas y aller dedans. Ok, il y a des zombies, le problème c'est que c'est le début du jeu, donc on n'a pas trop de vie. Oula, mais je suis à 30 FPS, pourquoi je suis à 30 FPS? Donc je veux bien que je filme le jeu en 25, mais normalement, j'ai capacité pour faire tourner le jeu en 50 pendant que je filme. Ok, c'est un peu chelou. Alors, et ben écoute, on va se contenter de faire Assassin's Creed la police. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, zombeur? Qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, zombeur, mordeur, pardon, excusez-moi. Allez, sans combat, qu'est-ce que tu vas faire? J'espère que ces pourritures comprendront jamais. Beaucoup de cinématiques en tout cas là. C'est normal, c'est le début, vous inquiétez pas, ça va changer hein, quand on aura rejoint quelqu'un en coop. Quelqu'un? Camden, tu es là? Merde.
Je suis censé recevoir un vaccin. Quoi? Non, non, un inhibiteur. Ça s'appelle l'antizine. Ouais, ça un vaccin, les quoi. Symptômes. Assieds-toi. L'antizine retarde l'inévitable. Le GRE n'a pas pu faire mieux. L'inévitable, donc il n'y a pas de remède. C'est une variante de la rage. Il n'y a pas de traitement pour l'instant. Mais ils ne sont pas gros, nous. Je fais des tests sur l'antizine et sur des tissus infectés. Un vaccin est envisageable, c'est certain. Sans rien, vous pensez pouvoir le trouver? Avec l'aide du docteur Camden. Oui, je crois. Où j'ai mis cet injecteur? Qui est le docteur Camden? C'est un collègue. Il est taré. Caché dans le secteur zéro, là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité. Et si mes expériences avaient porté leurs fruits, j'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville. J'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Pourquoi cette résolution d'écran? Ah, ça n'a rien donné. J'ai honte d'avoir perdu autant de temps là-dessus. Quoi qu'il en soit, plus besoin de garder de l'antizine en stock. Bon, je suis très occupé. Tu peux y aller maintenant. Où j'en étais, moi? C'était le docteur Zeri. Il est timbré. Tous ses meilleurs gars pour protéger. Raïm, Zeri m'a examiné et fait une nouvelle injection. Super, ça devrait te maintenir un moment. Tant mieux parce que je commence à aimer te donner des ordres. Alors, l'entraînement commence vraiment. Va parler à Spike. Tu le trouveras près du camion de Zeré. Il a du boulot pour toi. Hein, quoi? Ah, ok, d'accord. Pardon, j'étais occupé. Je faisais quelque chose de très important pour toute l'humanité. Je suis Crane. Encore de la main-d'œuvre au rabais. Super. Boucle-la et écoute. Il y a deux types de livraison. Et Roman. Dans l'une, il y a de la nourriture et du matériel médical et de survie. L'autre est bourré d'antizine. Le GRE va nous prévenir de leur arrivée en nous envoyant une vidéo. Le problème, c'est que ces livraisons d'antizine sont généralement récupérées par les gros bras de Rice. Et sans elles, nous sommes morts. Rice et ses gars n'opèrent qu'en journée. Parce que sortir la nuit est le meilleur moyen de se faire tuer. Mais les deux prochaines livraisons d'antizine auront lieu ce soir, au crépuscule. Brecken veut les récupérer. Ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage. Et mon rôle, c'est quoi? Je te l'ai dit, sortir de nuit, c'est du suicide. Ou du moins, ça le serait, si depuis des semaines, on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges. Brecken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges. C'est ça, ton rôle. Très bien. Où se trouvent les pièges et comment je les active? Tu verras. Je te guiderai en permanence. N'oublie pas. Sans ces pièges, Brecken n'a aucune chance. Et s'il ne rapporte pas l'antizine, c'est la fin. Avant de te lancer, prends quelques pétards. C'est moi qui les ai conçus. Peter. Ils sont très pratiques pour détourner l'attention en cas de souci. Jupiter. Bon, allez, go. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va où? On va en arrière. Comment ça? Pourquoi? Mais que ces conneries. On va pas retourner à tour, quand même. Ah, ok, quoi? Fouiller les cadavres, les coffres, les voitures abandonnées, les meubles et même les poubelles pour trouver des composants de création, des armes et de l'argent. Pour utiliser votre instinct de survie... Oui, d'accord, oui, c'est le machin, oui, c'est notre radar. Explorer le monde, patali patali... Attends, quoi? Ah d'accord, ok, bon, c'est de la merde. Donc on s'en va... Oui, c'est ça, là. Ça met en surbrouillance ce qu'il y a à ramasser, mais là, il n'y a rien à ramasser. Mais je fous, moi, c'est de la merde. Ça me perturbe parce qu'en fait je n'ai plus aucune compétence. Et vu que j'ai l'habitude d'avoir toutes les compétences, ça va pas compliqué. Je vous avoue que là je me sens un peu comme si j'étais à poil. Je suis nu dans le néant. La voiture. Ouvre le capot et branche la batterie. Ça activera le piège. Hein, quoi? Tu l'as? Bah, je crois que je les ai alertés, hein. J'espère que je vais avoir le temps. Ah, c'est bon, ça marche comme ça direct. Ah ouais, easy. Ici, Jade. Ouais. Y a quelqu'un dehors? Oui. J'ai besoin d'aide immédiatement. Non. Je suis dehors. Un boulot pour Spike. Tu t'appelles Crane? Écoute,
et connasse. Transformer une de nos plantes pour l'émission. Il est sur un terrain près de Safa et de Myrmar. Les zombies sont partout. Il faut que tu l'aides. Très bien, je m'en charge. Ouah, c'est beaucoup plus intense quand on n'a aucune compétence, je vous fais pas dire. Waouh! Waouh! M'en fous, je fouille devant les zombies. Oh, j'ai pas peur. Ils sont pas très virulents pour le moment. Je peux grimper là? Il veut me mordiller les pieds, cet enfoiré. Alors, qu'est-ce qu'on fait déjà? Moi, je ne sais plus, je ne suis plus. J'attends qu'une seule chose, c'est de me retrouver en coop. Oulala. 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 Laissez-moi tranquille, putain. Je suis une grosse merde. J'ai un tuyau de plomb de merde. Il fait zéro dégâts, votre machin. J'ai pas l'habitude, moi. Personne, là? T'es morte, toi? Je suis tellement pas safe. Ah, oh, c'est ignoble. Oh putain, j'adore. Oh, ça fait trop bizarre de retourner à l'âge de pierre, on peut dire. Oh, une figurine zombie, je suis très content. Salut! Qu'est-ce que tu vas faire? Ouf, ouf, ouf. Non, non, ils sont partout. J'ai rien fait. Alors attendez, parce que l'autre me disait de réactiver des pièges et elle me dit de. Tu veux faire, toi? Tu vas faire? Je te fouille, moi. Moi, je suis un fou, moi. Ah bon, tiens, on va faire ça. Elle, qu'est-ce qu'elle nous a demandé de faire? Je ne sais plus. Bon, normalement, c'est à partir de ce passage-là que le jeu sera jouable en coop.